aussi, il n'y a pas de souci. Maintenant, si, admettons, ils veulent vraiment être répressifs et mettre les deux saisons définitivement de punition de Coupe d'Europe, bah, c'est sûr que, par exemple, le coach, il va pas rester. Il y a des joueurs comme De Bruyne, par exemple, De Bruyne ou... qu'est-ce qu'il y a d'autre Sterling, par exemple. Bernardo Silva... Que je dise pas de conneries, hein, ouais, Bernardo Silva, tout ça, les gros joueurs, hein, les plus gros, bah ils vont vouloir quand même quitter le club, c'est normal. Bah ils vont quand même se remplir les poches. Hein. C'est sûr que tu vends pas De Bruyne pour 10 euros et un paquet de Pepito. Ou de Savane ou de Telu, hein, je sais pas. Hein. Oui, il faut citer trois marques quand on part d'une marque. Non, mais voilà. On va dire donc plutôt 10 balles et 3 paquets de gâteaux. Mais voilà. Ça, malheureusement, bon, après, c'est à suivre aussi, c'est à observer, parce que c'est pas encore définitif. Hein. S'il y a l'histoire d'appel, ça dure 3 mois, ces histoires-là, donc ça nous amène à la fin de la saison et au moment des inscriptions, comme ils expliquaient dans les différentes émissions, pour les Coupes d'Europe, quand tu finis le championnat. Maintenant, ben, ça va être intéressant. Moi, je pense qu'il vaudrait quand même mieux calmer la chose et mettre qu'une seule saison de punition. Voilà, juste une seule saison de punition. Deux, c'est trop. Ça, c'est pas... Ils ont pas non plus, genre, je sais pas, moi, ils ont pas escroqué de plusieurs centaines de millions. Donc, faut pas non plus être disproportionné aussi dans la punition. Faut être ferme, mais juste. Voilà. Donc, bon. Après, là aussi, hein, à vous de vous faire un avis, c'est spécial, hein, ces trucs-là, hein, mais ça, malheureusement, c'est le foot moderne, le foot business. Hein. Hop. Voilà. Ben ouais. Mais bon, ça... Ça leur prend au nez, mais c'est pareil, c'est comme pour les autres clubs. C'est, ce qui est con, c'est que c'est sur des périodes du passé, parce que apparemment, de ce qu'ils disent depuis 2016, ça a l'air de s'être calmé. Je sais plus, 16-17, je sais plus combien ils ont dit, mais ça a l'air de se calmer et qu'ils sont dans les clous. Et donc, ils vont être punis pour quelque chose avant, encore une fois. C'est un peu compliqué. Et donc, de mettre des sanctions pareilles après beaucoup de temps, c'est compliqué. Bon, après, voilà. Hein. Ça, bah, ça sera à suivre aussi. On va sûrement bientôt avoir des informations là-dessus. Hein. Voilà, voilà. C'était le sujet sensible Manchester City. Après, bon. Sensible, ça, c'est parce que pour les gens qui sont fans du club, moi, bon. En Angleterre, je vous le dis, j'ai pas vraiment d'équipe préférée. Il y a des équipes que j'apprécie un peu plus que les autres, comme Liverpool, tout ça. Qui ont des grosses, grosses histoires, Manchester United. Bon, City aussi un petit peu, parce que quand même... C'est pas donné à tout le monde de réussir à gagner malgré le pognon. Vous savez, l'argent aide, mais ne fait pas tout. Hein. Il faut avoir les bons joueurs, la bonne combinaison de joueurs, là où le bon coach. C'est pas facile. Hein. C'est des choses. C'est tout des paramètres. C'est comme si tu faisais de la course automobile avec un budget de 600 millions. Au départ, tu gagneras pas forcément la course. Il faudra plusieurs années pour réussir à trouver ce qui est bien pour ta voiture. Et hop, tu gagnes les courses et hop, tu deviens champion. Voilà. C'est sûr que tu y arriveras plus rapidement avec 600 millions qu'avec un budget moindre. Mais tu finis par arriver à quelque chose à un moment donné. Bon, on a gagné le tournoi pendant qu'on papotait. C'est pratique. Ouais, joli trophée. Ah, j'ai zappé qu'il fallait que j'enlève la musique définitivement, ça. Après, je l'ai baissé un petit peu, mais j'ai l'impression qu'il y a d'autres musiques. C'est-à-dire que t'as la musique du menu ou du machin que tu diminues. Par exemple, ça, là. Là, la musique qui est là, normalement, elle doit pas y être. Ou elle doit être très basse. Bah, pourtant, elle est très forte. Va comprendre où est-ce que je peux faire ça. Je sais pas. C'est là le problème. Donc, on a réussi le tournoi. On va donc pouvoir avancer. Hop.
Alors, félicitations, mais semi-pro. Pour un défi peu heureux, passer en pro. Bah ouais. Tant que tu restes juste le jeu, moi je veux bien passer en pro. Mais attention, hein, fais pas le con. Hein. Normalement, on doit avoir une cinématique ou quelque chose, je pense. La voici, la voilà, la nouvelle star du street, celle qui a pulvérisé la hiérarchie du New York Pro Street, Revy. Tu dois être hyper contente de toi, non? Ouais, on peut dire ça, ouais. Bah quand même. C'est dingue, ouais. C'est la nouvelle génération. Prenons le pouvoir. Carrément. Hey, Ed Van Gils, à quoi? T'as rien à dire? Il doit aller se soigner, là. Hey. Bien joué, t'étais vraiment super sur le terrain. Merci. Mais, tu sais, tu devrais appeler Jet. Wouh! T'as assuré aujourd'hui. Merci, toi aussi. Ouais, y a des gens qui parlent déjà de toi au Mondiaux à Buenos Aires. Si tu gagnes, ça t'ouvrira plein de portes, tu sais. Jet revient de blessure, son équipe est reformée. On progresse bien. Faut juste s'entraîner à fond et bosser. C'est la bonne attitude. Tu parles déjà comme une pro. Bonne chance. Merci. Sid. Au revoir, Minicius. Eh, fort décent. Bon, alors, voilà une chose de faite. Ouais, les paramètres. On va y arriver, parce que même carrément, maintenant, t'as le son dans le truc. Eh, oh. Bah, zéro, hein. voilà, zéro, mais pourtant, bah... T'as toujours la musique. Alors, je sais pas comment ils font leur truc. T'es obligé de te taper la musique. Ah, ça s'est coupé. Ah, bah, il était temps, merci. Bon, allez, la suite de nos aventures, donc. Où est-ce que ça va nous mener? Super en forme. Bah où sont les caméras? Toute l'équipe est déjà là, ils sont prêts à s'entraîner. Alors New York? Super. J'aurais voulu que tu sois là. Ah ouais? Ouais. Moi j'étais là tranquille. J'avais mon sac à la main. J'attendais le taxi pour l'aéroport. Et là je reçois un texto de Béa qui me dit que j'ai été remplacé. Alors je commence à me demander où j'ai pu me planter. Et là, devine qui m'appelle ? Van Gils. Van Gils. Lui, c'est un vrai pote. Mais j'aurais fini par le savoir de toute façon. Ça tourne en boucle sur votre chaîne, c'est plus fort que vous. J'en avais parlé avec Ed, quand j'ai commencé à monter cette équipe. Les jeunes d'aujourd'hui respectent rien, Jay. Ils croient qu'ils peuvent publier toutes les vidéos qu'ils veulent. Et nous prendre tout ce qu'on a construit. Et on s'est engueulé, lui et moi. Parce que j'avais foi en toi. J'avais vraiment envie de croire que tous ces trucs-là sur Internet, c'était que de la com. Mais que le plus important pour toi, c'était de jouer. Mais c'est le plus important. Tu m'as ridiculisé, Rêve. Devant mes amis en images. Comment est-ce que tu croyais que j'allais réagir? Non, non, ça s'est pas passé comme ça, Jay. Et comment ça s'est passé? Dis-moi. Je te jure, New York, c'est arrivé comme ça. Béa, elle m'a jamais dit qui j'allais remplacer. Tu crois vraiment que j'aurais agi comme ça si j'avais su que je prenais ta place? Ed avait raison. Ça se mérite le respect, Rêve. Il va falloir faire tes preuves. J'ai déjà fait mes preuves. Tu sais absolument rien de moi. J'en sais assez pour savoir que tout tourne autour de toi. Moi? Autour de moi? Je te signale qu'on est allé partout avec l'équipe pour la remettre sur pied. Et tu crois qu'on l'a fait pour qui? Pour toi, Jay. Pour toi. T'es sûr de ça? Tous les autres sont là. Prêts à s'entraîner. Alors on peut parler de ça plus tard? J'ai rien à te dire. Je me tire. Amuse-toi bien à Buenos Aires. Oh, pas trop le melon, l'autre con, là.
J'aime bien, on fait tout pour sa gueule et hop, monsieur. Eh bah, t'as qu'à amener ton pote Van Gils le trou duc et.